Le groupe Pentalogue a vu le jour en 1993 à Orléans. Les cinq associés fondateurs l'ont depuis beaucoup fait évoluer. De l'agence de communication à la SS2I francophone leader du Nearshore, les étapes ont été nombreuses. En 1999, le virage aura été majeur, le groupe ouvrait sa première agence roumaine à Brașov. Depuis, d'autres agences ont vu le jour en Roumanie, à Bucarest, à Sibiu, à Iași, puis à Chișinău en République de Moldavie. Mais également en Allemagne, à Francfort, en Israël, à Tel Aviv ou à Hanoï au Vietnam. Ces choix internationaux n'ont pas freiné le développement en Roumanie, puisqu'en juillet, la dernière petite sœur du groupe est née à Cluj. Aujourd'hui, le groupe compte près de 700 collaborateurs autour de la planète, réalise près de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et tient un rythme de croissance toujours proche des 20% annuels. La stratégie du groupe est simple, une amélioration continue, une réduction des coûts, tout en augmentant en parallèle la performance et l'implication de ses collaborateurs. Aujourd'hui, 92% du capital du groupe est détenu par les salariés. Le groupe investit régulièrement dans de nouveaux projets au travers de son incubateur franco-roumain, le Pentalab, situé à Brașov. E-commerce, médias, recrutement et gestion de compétences, la force et l'énergie entrepreneuriale des collaborateurs est toujours encouragée. La plupart du top management est entré dans la société au travers d'un stage. Ils y ont grandi et évolué constamment. Quand on intègre le groupe, on peut vraiment y faire carrière. La preuve, beaucoup d'entre eux n'ont jamais connu d'autres employeurs. Les projets sont variés, tous les secteurs d'activité peuvent y être rencontrés. On y apprend le français, l'anglais ou l'allemand. On se professionnalise sur de nouvelles technologies et partir à l'étranger demeure monnaie courante pour ces travelers collaborateurs. Pentalogue, ce sont des hommes et des femmes pleins de projets, passionnés d'innovation et de découvertes qui n'attendent que vous.